Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, bon, je sais qu'on est dans une période, comme vous le savez, aussi pas facile, hein. On est tous un peu confrontés à la même chose. Donc voilà, j'espère que vous arrivez quand même à naviguer dans ces eaux troubles et en espérant que tout ça va s'éclaircir le plus rapidement possible. Le plus paisiblement aussi, enfin dans la douceur. Je pense que c'est important que les choses se passent en douceur aussi. Voilà, les changements, les adaptations, voilà, tout ce qu'on va vivre au niveau global notamment. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? Pour une petite guidance. Une guidance concernant les énergies que vous traversez actuellement et surtout celles que vous attirez. Que vous allez attirer à vous dans votre expérience, donc sous-entendu aussi ce que vous allez vivre prochainement, hein, éventuellement les situations, les événements qui peuvent arriver aussi pour vous prochainement. Voilà, donc c'est, je le rappelle, une guidance générale, d'accord? Mais malgré tout, j'ai décidé quand même de personnifier un petit peu la chose, juste là en vous proposant un choix, véritablement un choix très simple, donc un ou deux, premier tas, deuxième tas, gauche ou droite, pile ou face, c'est comme vous le sentez. Voilà, le but, c'est que vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes ici avec moi. On va prendre ce petit temps tranquillement ensemble, voilà, ce temps de partage et de découverte. Et tout simplement, il n'y a pas de hasard. Donc, il y a forcément des messages qui vous sont adressés, en tout cas des messages que vous pouvez prendre pour vous et qui peuvent vous servir personnellement, voilà, tout simplement. Donc, d'habitude, je propose un peu plus de choix, donc ça serait intéressant que vous me fassiez un petit retour. Parce que là, c'est vrai que ça va être vraiment une guidance générale, mais malgré tout, un retour sur vous. Est-ce que ça a résonné pour vous directement? Est-ce que voilà, ça vous a parlé? Il y a des correspondances avec votre vie actuelle? Ça m'intéresse, comme d'habitude, d'avoir votre avis, d'avoir votre retour. Voilà, dans la bienveillance, bien sûr. Donc, je vous laisse. Juste quelques instants tranquillement pour faire ce choix. Hein. Posez-vous intérieurement en vous demandant qu'est-ce que je vais vivre prochainement, quelles sont les énergies qui arrivent à moi, les changements à venir. Et puis, avec cette question, vous allez faire un choix entre ces deux options. Voilà. Donc, pour vous parler des jeux rapidement que je vais utiliser. Donc, pour vous aujourd'hui, il y a le tarot des anges de Dorine Virtue qui veut vous adresser des messages. Vous avez aussi la sagesse des royaumes cachés de Colette Baron Reid. Je sais pas trop comment on dit. Voilà. Et aussi un oracle puissant pour moi. Enfin, j'ai une relation particulière avec lui. Donc l'oracle cosmique. Voilà. Mais écoutez les amis, c'est parti. On va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Le tas numéro 1. À tout de suite. Alors, commençons par vous qui avez choisi le tas numéro 1. Donc, comme vous le voyez, il y a plusieurs positions. Donc, je vais vous dire au fur et à mesure à quoi chaque position correspond. J'ai mis une intention particulière. Une question particulière derrière. Donc, on va découvrir véritablement tous ces messages ensemble. Donc, laissez-vous porter par les mots, par ce que je reçois, ce que je vous transmets. Écoutez les ressentis, ce qui est, comment ça vibre à l'intérieur, comment ça fait écho. OK? Alors, pour commencer, on a un petit indicateur ici, parce que ça va être les énergies en présence actuelle pour vous, ce que vous vibrez, ce que vous vivez. Hein. Alors, vous avez le 8 d'air, donc j'essaie de les mettre pour que vous les voyez bien à chaque fois, le 8 d'air.
Ok, oh. Bon, on commence par des énergies pas forcément très très faciles. Donc déjà, qu'est-ce que vient nous dire ce Widder? En effet, que actuellement, vous êtes dans une période, dans des énergies plutôt difficiles à traverser, lourdes. Je ressens une lourdeur, une envie de, comment dire, un besoin d'air en fait, voilà, moi j'ai ça, j'ai un sentiment de presque peut-être d'étouffement, mais on va le voir, c'est symbolique tout ce que je vous dis, mais voilà, manque d'oxygène, besoin d'air, appel d'air, c'est les mots que j'entends. Et le 8 d'air, qu'est-ce qu'il représente? Le 8 d'air, il représente les blocages. Des blocages que vous pourrez rencontrer peut-être au jour d'aujourd'hui, quel qu'il soit. Ça représente aussi le sens, et ça représente d'ailleurs surtout ça, le sentiment de se sentir emprisonné, pris au piège, enfermé aussi. Donc bon, après tout, c'est vrai que ça résonne véritablement, je trouve, avec cette période, bah, pour le coup, de confinement. Donc je sais que c'est difficile, et peut-être que justement, celui d'air ici, pour beaucoup qui avaient choisi ce tas, vient nous dire simplement que bah, cette période de confinement, elle est très difficile à vivre pour vous. Peut-être que vous le vivez comme une restriction, hein, parce que moi j'entends la privation de liberté aussi pour beaucoup. Il y a il y a cette notion qui émane en fait, hein, la liberté, l'indépendance aussi. Et ben voilà, c'est difficile, difficile à vivre. On voit ici peur d'agir. Alors moi je pense pas que vous ayez peur d'agir. Je pense par contre en effet que peut-être aussi avec cette période, il y a pas mal de peurs qui font surface ou qui refont surface. Je ressens pour vous, pardon, je ressens beaucoup de stress quand même, d'anxiété, d'angoisse éventuellement par rapport à l'avenir, des projections. Et en fait, on est ici avec le 8 d'air sur le domaine des épées dans le tarot, donc le domaine du mental. Et on voit que ça tourne beaucoup en fait. Pour vous, la machine, voilà, on a le symbole du 8 ici, enfin j'ai le symbole du 8 qui me vient. Donc c'est la machine qui tourne sans arrêt. Sous-entendu, le brouhaha mental. Hein. Et ce qu'on veut vous dire, c'est que déjà, beaucoup de ce stress ou de cette anxiété éventuellement que vous ressentez, vient ou est générée en grande partie en fait par l'esprit, par notre mental. Mais malgré tout, alors ok, juste pour finir sur le premier message là que j'ai pour vous, vous êtes pas, c'est pas... Enfin, comment dire? Par exemple, cette carte, elle représente bien cet esprit de confinement aussi, hein? De confinement, mais de confinement, bon, bah, pour le coup, plutôt mal vécu. Oui, mal vécu, en fait. Hein? Notamment à cause de l'émergence de certaines peurs, peut-être qu'il n'y avait pas avant, maintenant des peurs pour l'avenir, pour vous ou pour votre famille, peut-être pour des proches, hein, pour vos proches tout simplement, ce qui est normal aussi, ce qui est normal et compréhensible. Mais ce que je ressens avec cette carte, et ça c'est quand même un signe très encourageant et positif, c'est qu'il y a justement là une envie de rompre quelque part ce cycle des pensées, ce cycle d'émotions éventuellement négatives. On a envie de, vous avez envie en fait de vous libérer. Moi j'entends ce mot libération, rompre un schéma, rompre un cycle, vous évader aussi, hein, donc voilà, vous échapper un petit peu. Donc c'est vrai que ces mots-là peuvent résonner pour vous de plusieurs manières différentes parce que notamment, le 8 d'air ici peut venir nous dire que vous êtes dans une période où vous vous sentez coincé, où vous êtes dans une situation, peut-être professionnelle, peut-être sentimentale, je ne sais pas, où vraiment vous vous sentez piégé, coincé. Peut-être que vous avez du mal à trouver des solutions au jour d'aujourd'hui par rapport à une situation. Mais, et c'est d'ailleurs écrit sur la carte, vous avez l'impression illusoire d'être piégé. Ça veut dire que
de cette situation, vous pouvez trouver une solution. Il y a des solutions qui sont possibles. Ce n'est pas amené à être comme ça toute votre vie. Hein. Je ne sais pas cette fameuse situation que vous vivez pour certains, mais on vous dit non, c'est pas un cirque, pardon, un cirque, un cercle infernal dans lequel vous êtes empêtré et c'est vita aeternam pour vous. Hein. Il y a vraiment du changement possible. D'accord? Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que, enfin moi, c'est ce que j'entends là plutôt, il y a certaines prises de conscience qui sont nécessaires pour beaucoup d'entre vous. J'ai l'impression que c'est un changement d'état d'esprit parce que là, on est vraiment dans le domaine de l'air. Tout ça, c'est le domaine quand même de l'esprit, hein, comme je vous dis, de l'esprit et notamment du mental. Et j'ai l'impression que... Il y a un système de croyances aussi, hein, certaines croyances qui sont attachées et ancrées. Alors, c'est tellement vaste, en fait, je ne peux pas vous dire des croyances sur ou des phrases, par exemple, comme « Mais non, je ne suis pas capable de, je ne peux pas faire ça, cette personne, je ne la mérite pas. » Enfin, vous voyez, plein de choses qu'on se dit à soi-même, voilà. Hein, et le problème de ça, c'est que, par exemple, cette phrase, je ne suis pas capable. Bon, c'est faux en fait. On verbalise ça. Le problème, c'est que c'est faux. Vous êtes capable. Hein. Vous êtes capable d'avoir confiance en vous aussi. Mais quand on se le répète vraiment, vraiment, vraiment souvent mentalement, hein, oui, c'est mentalement, eh bien, le problème, c'est qu'on a tendance à en faire notre réalité. D'accord? Et j'ai l'impression qu'il faut que vous sortiez d'un système de pensée, en fait. Là, actuellement, vous avez besoin de sortir, voilà, de vraiment sortir du lot, de vous évader, de vous échapper. Et ça peut être au niveau concret, c'est-à-dire bah, prendre l'air, hein, besoin voilà, d'aller à l'extérieur, pour justement trouver une sorte d'échappatoire aussi, et une sorte de libération, voire de guérison. Et pour d'autres, c'est symbolique en fait, cet échappatoire. C'est au niveau des pensées, s'échapper au niveau des pensées. Et donc notamment fuir les pensées dites négatives, ou qui vous font souffrir, ou qui génèrent du stress, de l'angoisse, voilà. Alors, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à vous dire ici? C'est déjà pas mal pour une carte. Bon. Alors, on va continuer à voir avec le petit complément. Vous avez aussi le roi aigle. Alors, vue d'ensemble, aide angélique. Oui, vous voyez, c'est bien ce que je vous disais. Vue d'ensemble, c'est ça. C'est qu'il y a un besoin là, et je pense que vous en êtes conscient. Hein, c'est-à-dire que vous êtes en... Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même un mouvement pour vous. Je vous sens en mouvement. C'est pas juste vous subissez. D'accord? Ouais, il y a cette envie de libération, et vraiment ici, c'est ça, c'est par un point de vue différent, vu d'ensemble, c'est-à-dire voir les choses d'un point de vue plus élevé, avec une certaine distance, une certaine hauteur. Une hauteur, c'est-à-dire une sagesse. Hein, vous voyez, on a l'aigle ici, donc c'est le roi aigle, celui qui est... Enfin, je fais l'analogie d'ailleurs ici par rapport au tarot, mais le roi... c'est vraiment la figure dans le tarot de celui qui est dans la maîtrise. Dans la maîtrise. Donc là, littéralement, je dirais maîtrise des pensées. Maîtrise des pensées. Et on vous parle aussi d'aide angélique. Alors, regardez, ici, j'ai l'impression que ce personnage, quand même, c'est comme s'il était triste. Hein, enfin, je vais essayer de vous l'approcher. Déjà, l'image, elle est presque brumeuse, et j'ai l'impression que pour beaucoup, oui, vous pouvez être dans une certaine brume au jour d'aujourd'hui, à cause du contexte actuel, peut-être le confinement, etc., ou peut-être à cause d'une situation concrète que vous traversez, et il y a peut-être une perte d'espoir. Est-ce que vraiment mes guides m'entendent? Est-ce que l'univers est là pour m'aider? L'aide angélique, elle est là, c'est-à-dire que je pense que vous êtes dans cette recherche aussi, hein, pour certains. Peut-être que vous posez des actes, des prières, des intentions, vous essayez de communiquer, hein, j'ai ce mot aussi, communication, recevoir des signes, recevoir des messages. Il y a ce besoin. Mais déjà, ce qu'on est en train de vous dire aussi, c'est que
vous allez recevoir de l'aide. Vous allez recevoir une aide concrète de vos guides, mais c'est comme si peut-être que ils attendaient juste, ou ils ont juste besoin. C'est pas qu'ils attendent, c'est que je pense qu'il y a un besoin que quelque part vous fassiez le premier pas. Le premier pas, ça passe par enfin, se détacher un peu de la sphère du mental pour revenir beaucoup plus dans le présent sur ce qui est, sur ce qui est EST. Et voilà, en fait, tout simplement. Ok. Alors, je vais boire un tout petit peu. Bon, j'espère que ça va. Pour l'instant, c'est vrai que c'est une énergie pas facile pour commencer. Mais vous inquiétez pas, le but, c'est justement vraiment de vous apporter une aide et un soutien et des solutions. D'accord? Donc là, ça va être intéressant, la deuxième position, parce que justement, c'est pour le coup les énergies qui arrivent à vous. Là, c'est ce que vous vibrez ou ce qui se passe actuellement. Ça, c'est donc la conséquence quelque part, ou ce qui va être mis sur votre chemin là prochainement. Ah, vous avez le magicien, waouh, waouh. Je suis vraiment content et soulagé aussi d'obtenir ce résultat-là pour vous. Ok, d'accord. Alors, c'est bien quand même ce que je ressentais aussi, c'est que, voyez, pour vous, vous êtes conscient hein, quand même de ce qui se passe, notamment au niveau intérieur, et vous avez envie que ça change. Hein. Là, soit vous avez juste l'envie, soit vous avez déjà commencé à essayer de mettre des choses en place pour que l'état d'esprit, votre état d'esprit, change, ou pour que la situation qui était bloquée, que vous rencontriez jusqu'à maintenant, elle puisse changer, parce que là, on est vraiment sur une ouverture, sur un renouveau, on est sur le 1, une arcane majeure. Donc très clairement, vers quoi vous allez? Eh bien, vers un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous. Vous êtes prêt. Vous avez les ressources ou la capacité de le manifester. La vie est magique. Ce qui va être génial aussi, pour le coup, c'est que vous allez retrouver votre plein pouvoir personnel. Là, on est plutôt sur le sentiment d'être piégé, de ne pas avoir de pouvoir d'action. Face au contexte extérieur, face à la situation ou à la problématique que vous rencontrez. Donc, on ne trouve pas de solution. Ici, ben ça y est, tout est possible en fait. C'est le champ des possibles. Tout est possible. C'est un véritable nouveau départ dans votre vie. Parce qu'en plus, on est quand même sur le 1. Hein, c'est la première arcane dans le tarot au final. Et c'est une arcane majeure en plus que vous avez. Donc on est sur une véritable... Là, pour le coup, on change de cycle. Oui, il y a quelque chose qui s'arrête pour que quelque chose de nouveau commence. Et c'est bien pour moi en lien avec vous. Hein, c'est le 1, donc c'est vous, ça vous représente aussi. C'est vous, votre personnalité, votre personne. Et reprise du pouvoir personnel, pour certains, ça va se manifester de plein de manières différentes. Ça peut être l'envie de créer. L'envie de manifester quelque chose dans le monde, dans la matière, l'envie d'apporter quelque chose, ou de créer, oui, comme je disais, peut-être un projet, un retour de l'inspiration pour certains, ou de la motivation. Voilà, en fait, c'est comme si vraiment ce renouveau amenait plein de nouvelles perspectives et plein de promesses pour l'avenir, en fait, que enfin, on est sur le 1, sur le commencement, donc c'est-à-dire que c'est un potentiel brut, d'accord? Mais vous allez avoir des opportunités de changer carrément votre vie, ou en tout cas certains aspects de votre vie. Et avec le 1, d'ailleurs, on vous dit que vous avez le premier rôle, quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas l'univers qui va s'occuper de tout faire pour vous, c'est que vraiment vous allez prendre conscience que vous voulez peut-être que votre vie change, vous en avez marre, vous avez besoin là en ce moment de. Vous avez un besoin d'air, comme je vous ai dit, un besoin de liberté. Eh bien, là, vous allez en prendre conscience dans les prochaines semaines. Et c'est une affirmation de vous aussi. Une affirmation de vous. Ok, mais ça, en tout cas, j'adore cette carte, je la trouve vraiment magnifique. Et en complément, vous avez le prince faucon. Communication avec l'esprit, prêtez attention. Et bien, vous voyez, c'est bien ça. C'est aussi
comment dire, accompagné avec ce pouvoir personnel, c'est parce que vous allez être beaucoup plus en communication. D'ailleurs, on le voyait avec cette carte aussi, hein, en communication directe ciel et terre. Vous êtes le lien, donc en communication avec votre âme, avec votre moi supérieur, votre partie divine. C'est de ça dont il s'agit. Quand je vous parle de votre plein pouvoir, votre plein potentiel, on est sur le 1, c'est la source aussi, c'est l'origine. Bon, j'ai plein de choses qui me viennent à plein de mots. Peut-être que ça parle pour certains, peut-être que pour d'autres, ça ne résonne pas. Si c'est trop, je ne sais pas, perché pour certains, il n'y a pas de souci. Tout simplement, ça veut dire que vous allez bien vous reconnecter, vous retrouver à vous-même dans votre authenticité, dans la vérité de l'être que vous êtes, tout simplement. D'accord? C'est ça qu'on va entendre, communication avec l'esprit. Prêtez attention, c'est que justement là, vous allez recevoir, là, vous allez pouvoir voir les signes, vous allez pouvoir recevoir des synchronicités. On est sur le chiffre 11 et le chiffre 1 ici. Et regardez aussi, comme c'est d'ailleurs, c'est beau cette belle synchronicité. Si on met les deux à côté, là, ça c'est au présent et là c'est après. Vous voyez la différence, même en termes de luminosité, c'est intéressant parce que les deux personnages là, il se trouve que c'est des Indiens, ça parle tous les deux comment ça s'appelle? Des oiseaux, voilà, l'aigle et faucon. Enfin, je sais pas pourquoi, moi j'y vois vraiment un lien dans les deux là. Là, on a quelqu'un qui est plutôt triste, qui regarde vers le bas et ici, la lumière est retrouvée. Et on a les yeux tournés vers la lumière. Donc, voyez, c'est ce que je vous disais aussi, ce changement d'état d'esprit. Et bien, la bonne nouvelle, c'est que ça arrive pour vous, tout simplement. Ça arrive pour vous. Et c'est pas, enfin, je veux dire, c'est mérité, quoi. C'est mérité parce que c'est pas l'univers ou les guides qui vont faire le boulot à votre place et qui vont tout vous mettre sur un plateau d'argent. C'est grâce à vous, ça émanera de vous aussi, ces changements. Hein. Donc retrouvez votre moi supérieur, être en communication donc avec l'esprit. Et en effet, recevoir beaucoup plus de synchronicité, de connexion aussi, j'entends le mot connexion pour vous, avec l'extérieur, avec les. Enfin, des fois, en fait, c'est que je comprends ce que je dis, mais c'est. Oula, ça peut être dur pour moi de vous l'expliquer, quoi. Quand j'entends, par exemple, la communication, connexion, bah, bien sûr, je parle de plein de choses, je parle de connexion avec l'extérieur, avec des personnes qui peuvent se faire à présent, des connexions avec l'esprit, avec les guides, enfin voilà, c'est. Encore une fois, vous voyez comment ça résonne. Mais en tout cas, c'est des beaux messages, c'est des très beaux messages là. Alors, je suis très content que vous réussissiez vraiment à sortir de cet état d'esprit, de ces pensées. Ouais. Alors. On avance un petit peu, donc là, justement, tout en haut, ici, nous avons un conseil plus élevé ou un conseil d'un point de vue supérieur de vos guides, hein, un message qu'ils vont à vous transmettre, les conseils qu'ils ont à vous transmettre. Vous avez donc la justice, donc waouh, l'arcane majeure 8, donc là on est sur une arcane majeure, oui c'est ça, on est sur une arcane majeure, le 8, on retrouve le 8 encore. Donc, la justice, on vous dit décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Donc là déjà, je pense que c'est assez clair, rien que comme ça. Et vous savez, la justice, qu'est-ce que vient nous dire cette justice? Qu'est-ce qu'elle incarne? La justice, c'est le fait de bah, déjà prendre un point de vue d'ailleurs de recul, hein, puisque normalement la justice, elle n'est pas censée être subjective. Donc là, je parle de l'idée de la justice, hein. Donc ça veut dire prendre un point de vue de recul et prendre des décisions avec tous les éléments que vous avez en main, hein. On le voyait d'ailleurs avec le magicien déjà. Le magicien, il a tout autour de lui, tout est possible. Hein. Il a tout ce qu'il lui faut pour aller de l'avant, pour avancer, pour mettre des actions concrètes en place. Et là, le conseil pour vous, c'est peut-être pour vous amener à ce magicien-là, c'est de remettre les choses en ordre. La justice aussi, elle vient mettre de l'ordre.
remettre de l'ordre dans votre vie, peut-être en prenant certaines décisions. Et il est question de balance, donc de peser les pour et les contre, hein. Que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit par rapport à un projet que vous voulez mettre en place, ou par rapport à des habitudes que vous voulez changer, ou des addictions, ou je ne sais quoi. Voilà. Être juste avec soi-même. Être juste, mais être... regarder les choses en face aussi, hein. Donc là, je pourrais avoir plein de choses à vous dire, forcément, en fonction de ce que vous traversez. Mais ce que la justice vient vous dire aussi, c'est vraiment que ne cherchez pas à contenter tout le monde, à faire plaisir à tout le monde ou à trouver bah, justement la solution la plus parfaite, en fait. Il n'y a pas de perfection. Ou il n'y a pas de... Au-delà de ça, même, il n'y a pas de... Ça, c'est bien, ça, c'est mal. D'accord? Prenez une décision juste en fonction de ce que vous ressentez être juste, c'est tout. D'accord? Et surtout sans vous oublier, vous, dans cette décision. Hein? Ce n'est pas un sacrifice qui vous est demandé, c'est une décision juste. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'elle a une épée et tout, mais moi, là, je ressens l'énergie de la paix aussi. Donc, il y a une paix à instaurer. Peut-être avec certaines personnes extérieures ou peut-être avec vous-même. Voilà, désolé, j'ai juste ce mot qui est venu là, la paix. Alors, peut-être que la carte complémentaire, le duel des dragons, waouh. Ok, mais regardez, c'est fou ça, on retrouve encore le 8. Donc, je peux vous assurer que le 8, ça va être un chiffre important peut-être qu'il y a pour vous, ou en tout cas là dans les prochaines semaines, il y aura peut-être des synchronicités véritablement avec ce chiffre 8. Hein? Ok. Alors, conflit intérieur, moralité, choix conscient. Bah, franchement, je trouve que les deux cartes vont très bien ensemble. Et ces deux dragons-là, hein, qu'est-ce qu'ils viennent représenter? Peut-être pour certains, c'est vrai, c'est par rapport à une personne extérieure. Ouais, avec laquelle il peut y avoir une certaine... ben voilà, il y a des prises de bec ou une dualité ou une compétition. Quand je dis une personne extérieure, ça veut dire juste une personne autre que vous, quoi. mais pour beaucoup, j'en reviens avec ce 8 d'air, hein, on retrouve encore donc le 8. Voilà. C'est le conflit intérieur. Hein, c'est bien dit ici. Le conflit intérieur. Peut-être tout simplement entre votre cœur et votre esprit, votre mental, hein? Un conflit entre les idées. Peut-être que des fois vous êtes en top forme et puis après le lendemain vous savez pas pourquoi vous avez une grande baisse de morale et d'énergie. Voilà, il y a vraiment une sorte de dualité, un conflit qui se joue à l'intérieur et c'est en ça. Ok, je comprends pourquoi j'ai eu le message de la paix. C'est en ça qu'il y a besoin de retrouver cette paix et ce calme intérieur. Donc faire des choix, hein, on le retrouve ici, vous voyez, mais des choix conscients, des choix assumés, avec toute la responsabilité que ça implique. Donc c'est comme si on vous disait, là, pour sortir aussi de ces énergies ou de cet état avec le 8 d'air, eh bien, la solution, c'est de faire avec ce que vous avez comme élément en main, mais je pense que vous avez tous les éléments, peu importe ce que vous traversez, pour prendre une décision qui est juste pour vous. Voilà. Quel que soit le domaine. Est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est par rapport à un travail? Est-ce que c'est par rapport à votre famille qui a quelque chose à régler? Je ne sais pas. Vous me direz justement en commentaire. Mais là, il est temps voilà, de vous positionner. Hein. C'est aussi ce que j'entends. De vous positionner et de ne pas juste peut-être subir la situation ou le contexte actuel. Hein. Faire des choix en conscience, des choix assumés, parce que tout simplement, vous savez que c'est bon pour vous, et c'est pas de l'égoïsme, ça. Ok. Alors, je regarde juste si j'ai autre chose.
Le conseil, c'est aussi en effet donc de trouver la paix, c'est-à-dire que par rapport à ce conflit intérieur, peut-être ou cette dualité intérieure qui se manifeste pour vous, tout a une raison d'être, hein. Donc, en fait, c'est qu'il doit y avoir une écoute. C'est comme si, vous voyez, il y a une relation avec vous-même. Vous avez, on a tous, une relation avec soi-même. D'accord? C'est une vraie relation dans tous les sens du terme et dans tout ce que ça implique. Et là, on vous dit, il ne faut pas qu'il y ait un gagnant ou un perdant, il faut juste qu'il y ait une écoute et une entente mutuelle pour pouvoir créer un compromis. Mais donc, c'est intérieurement avec vous-même. Ça veut dire écouter votre cœur et que votre cœur aussi écoute votre mental. Écoutez vos peurs, voyez, les peurs, elles viennent du mental. Et bah, tout simplement, il faut les accueillir, les comprendre aussi. Et c'est votre cœur, là, avec toute sa bienveillance, avec tout votre amour que vous vous apportez à vous-même, que vous pouvez être dans cette écoute. Et justement, rassurer votre mental ou votre personne, en fait, qui a ses peurs. Voilà, il y a besoin d'un dialogue intérieur, en fait. Et éventuellement, pour certains, c'est par rapport à l'extérieur. Voilà. Alors, on va découvrir justement là, à cette position, si vous suivez les conseils, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que vous allez attirer à vous? Ici, c'est déjà ce vers quoi vous allez. Là, ça va être un complément de ce que vous pouvez manifester en plus, notamment en suivant ces conseils. Vous avez le chevalier d'eau. Ok. Bon, eh ben c'est pas mal aussi ça. Hein? C'est pas mal aussi. Le chevalier d'eau. Alors, attendez. Qu'est-ce que... D'accord. J'ai donc, je pense, deux messages différents. On verra après avec la prochaine carte. Peut-être que ça va nous donner des indications. Mais le cavalier d'eau, il va pouvoir vous représenter vous. Ou représenter une personne qui vient à vous. D'accord? Donc c'est les deux cas. Si c'est vous que ça représente, tout simplement, ça veut dire que, comme on le voyait avec le magicien, eh ben, vous allez partir à la conquête. À la conquête de quoi? De ce qui vraiment fait vibrer votre cœur. Hein? On est sur le domaine de l'eau, donc de ce qui nous émeut, de ce que de nos ressentis, de nos sentiments. Et là, c'est avec le cœur chargé, avec l'envie, avec une certaine passion que vous allez partir donc à l'action. Hein? On est sur de l'action ici, avec les chevaliers. C'est ce que je vous disais, l'énergie quelque part du magicien. Mais là, il y a une précision qui vient nous dire que oui, vous allez mettre des choses en place, vous allez à la conquête de, bah, tout simplement, ce qui comble ou ce qui pourrait combler votre cœur, hein, ce qui pourrait vous nourrir au niveau émotionnel. Donc, c'est une ouverture à l'amour, une ouverture aux relations, une ouverture au partage aussi. Et bah, c'est des bonnes énergies, quoi. C'est des bonnes énergies. Et si ça représente. Parce que ça peut aussi représenter ici quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui vient à vous, là, en l'occurrence. Quelqu'un qui viendrait à vous, quelqu'un qui serait à l'écoute, qui est bienveillant, hein, porté d'empathie, de bienveillance, d'écoute. Ça ne veut pas forcément dire que c'est pour l'amour de votre vie, ou que je parle que du sentimental ici, hein. Vous voyez, on a émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Ça, c'est les caractéristiques qui peuvent être assimilées à la personne qui va venir à vous. Peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est une personne qui va vous aider dans le domaine professionnel avec qui, ben voilà, y a un partage de ce type-là. C'est possible. C'est possible. En tout cas, je le vois comme une aide, hein. Ça peut être une aide extérieure, en fait, qui va vous être apportée. Une aide ou un soutien. Et pour certains, oui, possiblement, le chevalier d'eau, je le précise, peut représenter tomber en amour, quoi. Ou dans les tarots, le chevalier d'eau, c'est le prince charmant aussi. Voilà, l'image du prince charmant. Bon, bien sûr, c'est symbolique, mais voilà, c'est un petit peu ça. Alors, on va voir. Ok, le complément, le garçon au chameau. Peut-être qu'un garçon, un homme, sur son chameau va venir. Voilà. Non. Non. Ok. Alors, mais en fait,
Ok. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Les deux cas se retrouvent aussi avec cette carte. Peut-être que on nous explique que le fait de mettre de l'ordre dans votre vie, dans vos pensées, de vous retrouver avec vous-même et de régler les conflits intérieurs aussi, ça va vous permettre de retrouver en fait votre âme d'enfant, d'écouter la petite voix intérieure. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire? Et c'est lui qui va vous pousser en fait, c'est lui qui vous donne l'impulsion, la direction et tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer. Tout simplement. Donc c'est pour ça, on avait, n'oubliez pas aussi, communication avec l'esprit, donc communication avec l'enfant intérieur aussi. Donc c'est bien ça pour certains, et pour d'autres, on a quand même, regardez ici, demande d'aide. Donc en effet, une aide va vous être apportée. Une aide concrète, hein. On parle d'une personne ici. C'est, pour moi, c'est vraiment une personne. Une personne qui arrive avec des solutions pour vous, par rapport éventuellement à la problématique que vous rencontriez, la solution, enfin la situation problématique là. Ok. Et au centre ici, nous avons une sorte de bilan, synthèse par rapport à tous les messages qui viennent de vous être transmis. Et mais c'est incroyable ça. Vous avez le 8 d'eau. Donc les 8, définitivement, je vous le dis, c'est très important. Alors, volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Alors pourquoi je vous lis là et pourquoi je ne vous l'ai pas lu pour les autres? Bah, j'en sais rien. C'est juste que là, j'ai tout de suite été attiré par ça. C'est parce que tout est dit là. Tout est résumé ici. D'accord? En termes de bilan, vous avez envie, on l'avait vu avec le 8 d'air, d'aller de l'avant. Il y a l'envie de, voilà, oui, de move on, quoi, partir sur quelque chose de nouveau. Et puis d'ailleurs, la bonne nouvelle, comme je l'ai dit, c'est qu'on le retrouve ici avec ce nouveau commencement, ce nouveau départ dans votre vie. Donc, laissez les fantômes, moi j'ai cette phrase, laissez les fantômes du passé derrière vous. En fait, laissez juste le passé derrière vous, hein, voilà, tout simplement. Et tournez-vous vers ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Vous voyez, là, le 8 d'eau, on retrouve le chevalier d'eau. Là, on va vers ses rêves et là, on quitte quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez besoin de, vous aurez besoin, et d'ailleurs, je vois la justice en haut, peut-être que vous allez avoir besoin de faire du tri aussi avec la justice dans votre vie. Comment dire? Enfin oui, c'est ça, faire du tri, mettre de l'ordre. Donc voyez comment vous l'entendez, mais ça peut être dans plein de choses. Une relation, hein, aussi. Enfin, bref, voilà. Faire du tri en accord avec qui vous êtes, avec vos valeurs, vos convictions. D'accord? Mais ce qui est authentique, hein, les valeurs et convictions authentiques, pas les pensées, les croyances limitantes, justement. Donc le 8 d'eau, c'est quand on effectue justement un voyage, une quête intérieure et spirituelle. C'est prendre du recul. Du recul pour pouvoir mieux saisir ce que l'on recherche, ce que notre cœur a besoin, et ensuite, bah, s'y diriger. Alors, ok, et vous avez la reine de l'échiquier. Confiance et stratégie. Ben, là, on vient vous dire quoi? Tout simplement, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous êtes la reine. Vous êtes un homme, c'est pareil. D'ailleurs, dans les échecs, la reine, c'est la pièce maîtresse. C'est la pièce la plus forte, celle qui a le plus de possibilités. Regardez comment c'est intéressant, comment ça résonne ici. La reine aux échecs, c'est celle qui peut faire à peu près tout, hein? Tous les mouvements sont possibles. Vous voyez? Et je vous disais avec le magicien ici. Tout est possible. Vous allez être vraiment dans cette position où c'est vous qui menez la danse, c'est vous qui menez votre vie comme vous le voulez. Et justement, on a le mot-clé aussi stratégie. Ça veut dire que votre pensée, elle est ordonnée. Vous avez un plan en plus d'action. On n'est plus ici sur se sentir totalement, peut-être un peu dépassé par les événements, par une situation, par le contexte, pas voir vraiment d'issue. Avoir des pensées plutôt pessimistes, là, il est là le changement.
Donc laissez derrière vous vraiment, voilà, tout ce qui ne vous sert pas, tout simplement, tout ce qui ne vous sert pas pour pouvoir avancer. Ok. Alors, on va découvrir juste ce dernier petit message. J'aime beaucoup cet oracle, donc l'oracle cosmique. Je vais juste vous le lire et puis, bah voilà, je vais juste le lire celui-ci, je ne vais pas l'interpréter en intuitif. Alors, le message spirituel pour vous, la leçon spirituelle de ces prochaines semaines, c'est la compassion. Très belle carte. Alors, je vais prendre le petit livret, vous allez pouvoir mettre sur pause, si vous voulez, pour bien garder le message, parce que c'est un message précieux qu'on a à vous transmettre. Alors, la compassion. L'amour et la compassion sont l'essence sacrée de tout ce qui est. Ils nous enveloppent sans condition ni jugement et nous aident à grandir et à évoluer vers de plus hautes sphères de conscience éveillée. Cette carte s'est manifestée à vous comme un rappel que la véritable compassion commence par vous. Tirez des leçons de vos expériences, même les plus difficiles, et pardonnez-vous celles qui ont causé de la souffrance. Porter le poids du jugement, c'est intéressant, intérieur, n'engendre que douleur et souffrance. Mais quand vous éprouvez de l'amour et de la compassion pour vous-même, le pardon touche votre entourage. Pardonner à quelqu'un peut s'avérer une épreuve redoutable. Vous voyez, il y a encore le mot paix. Enfin, c'est voilà, c'est synonyme de paix, comme je l'ai ressenti tout à l'heure. Peut s'avérer une épreuve redoutable, surtout si cette personne vous a profondément touché, ce qui a éveillé des blessures et des émotions enfouies. C'est normal d'avoir envie de réagir avec dépit, amertume et rage. Encore plus normal de vouloir élever des murs pour vous protéger de souffrances à venir. Or, les murs qui entourent le cœur arrêtent la croissance et la capacité à manifester une réalité du choix. Cher ami, s'il vous est arrivé de vous trouver dans cette situation, sachez qu'est venu le temps de réagir autrement. Choisissez le pardon, la compassion et l'amour. Ne refermez pas votre cœur, n'élevez pas de barrières. Cela ne sert à rien et vous éloigne encore de la vérité. Choisissez l'amour. Grâce à l'amour, les autres se percevront avec plus de clarté. Cela ne signifie pas que vous devez accepter une situation de maltraitance, ni que certaines limites soient dépassées. Vous pouvez vous extraire d'une situation qui ne vous permet pas de vous épanouir, mais avec de l'amour et de la compassion dans le cœur. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est un très beau message et enseignement en effet spirituel pour vous, mais aussi pour nous tous. Donc voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous laisse méditer un petit peu tout ça. C'est assez riche en informations, je trouve. Donc voilà, j'attends votre retour avec plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, les amis. Bisous. Alors, on se retrouve pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Donc, comme vous le voyez, il y a une sorte de tirage en croix ici avec un complément d'information. Donc, chaque position aura une signification particulière. Et bah, tout simplement, je vais faire ce voyage en même temps que vous, cette découverte en même temps que vous. Donc, je vous dirai au fur et à mesure. OK? Donc, détendez-vous tranquillement, ça va être un moment de partage. Le but, c'est de vous apporter un éclairage, des solutions éventuellement, des outils pour que vous puissiez avancer. Donc, no stress et c'est parti. Alors, ici, la première position va représenter vous, votre état d'esprit actuel, vos énergies actuelles, les énergies peut-être autour de vous. Qu'est-ce qui se passe concrètement au présent, au moment où vous regardez cette vidéo? Alors, vous avez le 8 de terre. Alors, c'est intéressant parce que la première vidéo, il y avait déjà énormément de 8 qui sont tombés. C'était fou d'ailleurs. Donc là, on recommence avec la même chose. Bon, on verra comment ça se passe ensuite. Donc, le 8 de terre, mais c'est l'énergie du 8 de terre représente une personne qui est concentrée sur un travail
sur quelque chose, sur une activité. Voilà, il y a quelque chose qui vous prend de votre temps, de votre énergie, de votre motivation. C'est le fait de s'atteler, pardon, à une tâche, peut-être souvent des fois répétitive, mais aussi qui vous demande, voilà, un investissement. En fait, il y a un investissement de votre part. D'accord? Là, je vous donne des mots-clés liés directement à ça. On va en apprendre plus après, avec la suite. Avec ce personnage aussi, d'ailleurs, qu'on voit là dans la nature en train de pencher sur des livres, peut-être que vous êtes en train d'étudier quelque chose en particulier, suivre une formation, peut-être à distance ou je ne sais pas, mais vous travaillez sur quelque chose en fait, tout simplement. Voilà, on ne peut pas le faire plus simple. Vous travaillez sur quelque chose. Et ce quelque chose, il est possible que ce soit aussi pour certains d'entre vous, bah, sur vous-même, hein. Il y a un travail qui est en train d'être fait sur vous-même, c'est-à-dire sur le développement personnel et peut-être spirituel aussi. Parce qu'on est sur le chiffre 8 d'ailleurs, qui est quand même pour moi très lié à l'univers, à la connexion, à la spiritualité, à l'infini aussi, bon, voilà, mais donc à l'univers. Donc peut-être que vous êtes en train voilà, de travailler, de découvrir de nouvelles choses, de vous intéresser aussi à de nouveaux sujets, hein. En tout cas, il y a un intérêt qui est éveillé. Hein, pour moi, il y a l'intérêt qui est éveillé. Cette carte, elle peut aussi représenter, par exemple, vous voyez, si vous travaillez dans la santé, eh ben, elle vous représente complètement parce que ben, vous êtes en plein travail et ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, encore une fois, le mot engagement, investissement de votre part. Alors, on va découvrir là, avec la carte complémentaire, un petit peu, peut-être, des précisions. Donc vous avez la prêtresse de l'autel. D'accord. Alors, vous voyez, on a déjà mot-clé préparation. Donc peut-être en effet que vous êtes en train de pencher, je ne sais pas, sur un projet ou un futur projet pour le travail. Vous êtes en train de vous préparer pour un examen, pour un nouveau boulot, que sais-je. Voilà. Préparation. Donc, d'où le fait d'être aussi engagé, d'être aussi pris à tous les niveaux, que ce soit mentalement, voilà. Il y a quelque chose qui vous prend beaucoup d'espace en fait dans vos énergies, énergie physique particulièrement, mais même aussi ça occupe votre esprit quoi. Hein, voilà. Forcément parce que vous y consacrez du temps, tout simplement. On a prière et rituel sacré. Donc, comme je vous disais, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vous, travailler peut-être sur les énergies, découvrir le monde ésotérique, pratiquer du chamanisme ou de la magie, de la lithothérapie. En fait, enfin, voilà. Vous savez, là, c'est quand même une carte, elle, qui est assez spirituelle, hein, prêtresse de l'autel. Et en complément avec cette carte, ça veut dire que beaucoup d'entre vous, il s'agit de ça. Il s'agit d'ouverture, de prise de connaissances, d'informations à droite à gauche, peut-être, sur sur le développement personnel, sur la spiritualité, voire sur des choses plus ésotériques. Ok. Alors, on va découvrir ici. Justement, la conséquence quelque part un petit peu de ce que vous vivez actuellement. Donc, c'est-à-dire ce que vous allez attirer à vous. Alors, je vais boire un petit coup. Ce que vous allez attirer à vous, ce que vous allez vivre prochainement. Voilà. En accord avec ces énergies actuelles. Alors, vous avez le 4 d'eau. D'accord. Alors, j'ai l'impression que ce que vous vivez actuellement, ce dans quoi vous êtes sollicité, engagé, ça va permettre, alors en positif, en fait, il y a un aspect un peu positif et un aspect un peu négatif. Alors, on va commencer par le positif. Le positif, c'est que vous allez beaucoup plus, en fait, vous connaître et surtout faire du tri dans vraiment qu'est-ce que vous voulez, en fait, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous intéresse. Peut-être que là, vous penchez sur plusieurs
options, sur plusieurs choix, dans plusieurs directions, hein, éventuellement pour certains. Et ici, justement, là, vous avez une idée beaucoup plus claire, j'ai l'impression, de ce que vous voulez ou de ce qui vous motive. Je vous vois aussi centré en effet sur bah, une chose en particulier. Il y a une chose qui retient votre attention ou une chose que vous voulez particulièrement au-dessus de tout le reste et tout va dans ce sens en fait. Toute votre énergie est impliquée dans ce sens. Alors, ce que je ressens aussi pour certains, c'est que, voyez là, on a quelqu'un qui est vraiment, comment dire, obnubilé parce qu'il, enfin voilà, il se rend même pas compte que la nature est en train de prendre le dessus. Enfin, il est en train de se mélanger avec la nature parce qu'on imagine qu'il est là depuis un certain temps, mais il n'en a pas conscience. Et en fait, le petit point négatif que je pourrais dire, enfin c'est pas négatif, mais c'est que il pourrait y avoir un certain isolement de votre part. Mais un isolement voulu, c'est-à-dire que vous, eh bien, vous voyez, comme ce personnage qui dit non là, c'est juste que voilà, vous n'avez peut-être pas envie de sortir. Bon, en même temps, on est confiné, donc voilà. Mais pas envie de faire certaines choses ou certaines propositions qui pourraient venir de l'extérieur, en fait. Eh bien, que vous allez refuser. Parce que peut-être que ce n'est plus en accord avec vous, avec la façon dont vous évoluez. C'est possible. Et aussi, peut-être que, tout simplement, tout ce qui n'est pas en lien avec ce sur quoi vous êtes en train de pencher actuellement, eh ben, ça ne vous intéresse pas, hein. Et donc là, on voit une sorte de, peut-être, distanciation sociale un peu, ou ça peut même être avec, en couple, hein, voyez, vous êtes centré, vous, sur quelque chose, et puis, bah, y a une sorte de petit éloignement qui se fait parce que, ben, voilà, vous n'avez pas la motivation pour d'autres choses que ce qui vous intéresse, en fait. Hein. On va voir si on a là aussi, pardon, les messages complémentaires. Vous avez les yeux de la beauté. Attente favorable, clarté. Oui, pour moi, c'est bien ça. Tout à fait. Vous voyez, on a clarté déjà. Donc, clarté d'esprit, ça, c'est vraiment ce qui va être positif, c'est que, clairement, bah, il va y avoir du tri, du ménage qui va être fait en vous et peut-être aussi dans votre environnement, sur les personnes que vous côtoyez, sur des choses que vous faisiez avant ou que vous aviez l'habitude de faire. Là, vous avez beaucoup plus de clarté sur vous, sur ce qui vous motive. Les yeux de la beauté, sur ce qui est vraiment précieux aussi pour vous. Vous voyez, ici on a cette sirène là qui laisse des coupes dehors là, comme si voilà, elle disait j'en veux pas. Par contre, il y en a une qui prend beaucoup plus de place, qui est pleine. Vous voyez, et voilà, c'est ça vraiment qui l'intéresse, cette sirène. D'accord? Donc les yeux de la beauté, ça veut dire que vous allez aussi porter votre regard sur ce qui a vraiment de l'importance au jour d'aujourd'hui pour vous dans votre vie, quoi que ce soit, que ce soit professionnel, sentimental ou autre. Donc votre travail ici, le travail que vous êtes en train de faire actuellement, ça va payer en fait. Hein? De toute façon, d'ailleurs, c'était marqué ici, je n'avais pas lu. Un travail hautement qualifié et récompensé. Donc sachez que l'énergie que vous investissez actuellement, ça va être positive. Hein? Regardez, tout ce que vous êtes en train de faire en fait actuellement, je ne sais pas pourquoi, par rapport à quoi. Vous me le direz dans les commentaires, mais cette énergie-là qui est dépensée avec le 8 de terre, ça vous amène du positif, attente favorable, vous voyez? Donc moi j'entends non pas attente ici avec les messages qu'on a eus, mais plutôt les efforts que vous mettez seront favorables dans le temps. C'est bien ça dont il s'agit. Ok. Alors, on va regarder tout de suite, le point de vue des guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Quels sont les conseils qu'ils peuvent vous donner au présent pour peut-être obtenir, on le verra après, un résultat différent ou aller vers quelque chose de, voilà, de différent. Alors, waouh, vous avez le 7, le chariot. Alors, ben le message, il est simple quelque part. Là, on vous dit. C'est le bon moment, en fait. On vous dit, c'est le bon moment. C'est le moment de vous lancer
le chariot, et on le voit d'ailleurs là, qui est en train de s'élancer, qui est en train de sortir de la brume, hein. Donc là, c'est le moment de mettre en place la machine, d'activer vos projets ou ce que vous voulez mettre en place, ce sur quoi vous penchiez peut-être depuis un certain temps, sur lequel vous avez travaillé beaucoup, vous avez beaucoup planifié, vous avez beaucoup projeté. Bon, voilà, si ça résonne comme ça. Mais ici, en fait, pour moi, il est temps de passer au concret, il est temps de passer à la matière, il est temps d'expérimenter dans la matière. Par exemple, si ici ça résonne pour vous sur le plan travail personnel et regarder des livres, des vidéos sur la spiritualité, etc., 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 c'est bien. Mais là, on vous dit, maintenant, en fait, c'est bon, tu as ce qu'il faut. Il est temps de te lancer, en fait, de l'expérimenter par toi-même. C'est à toi d'aller chercher ces expériences, d'aller vivre ces expériences. Mais ces expériences, on peut les vivre pleinement que quand on est. Ben on est dans le présent, on est dans la réalité, vous voyez? Ouais, c'est comme si on me disait là dans mon oreille, il faut sortir de l'imaginaire, enfin, il faut aller dans le concret. Voilà, je sais pas trop comment vous le traduire autrement, j'entends ça. Aller dans le concret. Expérimenter dans le concret les choses. Là, et on vous dit aussi, faites-vous confiance. Il est temps de oser, il est temps de vous lancer. Alors, vous avez aussi en complément la reine des glaces. Ah, vous voyez, c'est intéressant. C'est intéressant pourquoi? Parce que là, on a inaction. Et on voit ce personnage-là qui est comme endormi ou sur la neige. Et pour moi, ça va montrer le contraste ici. Ça veut dire que justement, là, il est temps d'agir maintenant. Peut-être que vous avez assez. Penser, vous avez assez réfléchi, vous avez assez organisé ou planifié les choses. Maintenant, écoutez votre intuition, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition aussi et lancez-vous. Lancez-vous. Je vous regardez, justement, vous voyez, je vous disais, là, il est temps de passer de l'imaginaire au concret, au réel. C'est vraiment cette notion-là que j'ai en tant que conseil. Passer de l'imaginaire au réel. Et là, bien, je vois cette personne endormie, hein, comme endormie dans, peut-être dans, oui, dans ses rêves, en fait. Là, en fait, on vous dit une réalisation importante en reconnaissance et éloge. C'est le temps d'aller conquérir vos rêves. C'est le moment. Pour certains, on me dit clairement là, c'est important aussi de quelque part casser une routine ou alors sortir de sa zone de confort. Donc je ne sais pas à quoi ça fait référence pour vous qui entendez ce message, mais pour certains, je dois vous le dire. Voilà. Peut-être que d'une certaine manière, dans vos actions au jour d'aujourd'hui, vous avez l'impression de mettre des choses en place, mais que quelque part, ça crée une sorte de zone de sécurité. Enfin voilà, vous prenez. Vous vous lancez pas vraiment, alors que là, j'ai le mot, moi, oser, et c'est le moment d'y aller, quoi, c'est le moment de foncer. Clairement, mettez en place vos rêves. En fait, voyez, là, tout ce que vous imaginez, tout ce dont vous rêvez, en plus, on a sur le blanc, donc sur des choses pures, hein, entre guillemets, eh bien, là, c'est bon. Là, on sort de la brume, donc on sort du monde de l'imaginaire, et puis, ok, on est déterminé, on est comme un conquérant avec, sur son char, là, on y va, quoi, on avance, on fonce, on fonce. C'est le moment. Alors, on va voir ici, justement, qu'est-ce que ça pourrait attirer à vous si vous suivez ces conseils, les conseils de vos guides. Qu'est-ce que ça vous amène à vivre? Alors, vous avez le 5 de terre. C'est intéressant. Ok. Alors, en fait, alors attendez, oui, là aussi, je vais vous parler du positif
et après d'une autre conséquence quelque part. Bon, vous voyez là tout de suite ce qui m'est venu en fait quand j'ai vu l'image, c'est Indiana Jones. Je sais pas pourquoi, dans ma tête Indiana Jones. Donc on va partir là-dessus et vous allez voir comment on peut comprendre ce message. En fait, c'est comme si on était Indiana Jones et qu'on allait, voilà, on se retrouvait devant ce temple-là, perdu, peut-être, enfin voilà, pas forcément accueillant, enfin on se demande un petit peu, c'est mystérieux. Ce que je ressens, c'est que dans ce temple, et vous, je vais vous dire après ce que ça symbolise, mais dans ce temple, eh bien, il y a certainement des trésors à aller chercher, d'accord? Il y a une envie, il y a une curiosité, en fait. Il y a un monde inconnu qui vous attend. C'est une quête, c'est ça que j'entends, moi. Vous allez partir dans une quête, partir dans un voyage. Le chariot, c'est aussi ça, hein? C'est un mouvement, c'est on va quelque part ou on part de quelque part, que ce soit symboliquement ou même concrètement, hein? Un déménagement, quelque chose comme ça, c'est possible. Mais ici, donc la grande symbolique, c'est moi, ce que je ressens, une quête qui vous attend. Et oui, il y a quelque chose à la clé, hein, n'oubliez pas, attente favorable ici, d'accord? Il y a des richesses qui vous attendent, quelles qu'elles soient, hein. Pour certains, c'est de la richesse matérielle, pour d'autres, c'est de la richesse sentimentale, voilà. D'autres, c'est la richesse de l'expérience de vie, vivre des expériences, voilà, enrichissantes, bon, peu importe. Mais aussi, comme si on était Indiana Jones, on pourrait hésiter à rentrer dans ce temple-là, hein, parce qu'on se dit, ah mais peut-être qu'il y a des pièges à l'intérieur, peut-être que si, peut-être que ça. Il peut y avoir des peurs aujourd'hui, peut-être qui vous freinent un petit peu à véritablement vous lancer. Notamment des inquiétudes par rapport à l'aspect concret, l'aspect matériel, l'aspect financier, peut-être. Et moi, j'ai l'impression que les guides, ils veulent pas trop vous en dire ici. On va voir avec la carte suivante, mais c'est comme si on vous disait, lance-toi, ose, essaye d'aller explorer et ne pense pas à oui, mais peut-être il y a ci, peut-être il y a ça. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On n'est pas encore entré. C'est la découverte. On vous invite à découvrir. Voilà. À découvrir et vous lancer. Donc, inquiétude relative à l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, par exemple, que si vous avez envie de changer de profession, vous êtes formé, par exemple, là je prends un exemple, hein, c'est pour vous donner un petit peu comment ces énergies pourraient résonner dans un cas précis. Vous avez suivi une formation ou des formations, quelles qu'elles soient, pour vous former pour un nouveau métier, notamment peut-être, allez, tiens, travailler sur les énergies, travailler. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Magnétiseur, je prends un exemple. Hein. Voilà, vous êtes intéressé à ce sujet. Là, on vous dit, c'est bon maintenant, allez-y, lancez-vous. Et oui, en effet, vous pouvez jamais être sûr de ce qui vous attend, c'est-à-dire que l'inquiétude, elle va pas disparaître comme ça. Mais au moins, vous vous lancez, au moins, vous mettez des choses en place, au moins, vous passez à l'action. Vous voyez? Et si on vous dit ça, si on vous dit que c'est là, le conseil, et là, c'est ce que vous allez attirer à vous. Bah, doutez-vous bien que c'est pas pour rien, c'est pas pour vous envoyer dans un mur, hein. Les signes que vous recevez, si vous êtes conscient des signes que vous recevez de votre intuition, c'est pas pour vous envoyer dans un mur, hein, véritablement. C'est juste pour vous dire, vas-y, découvre, lance-toi, ose. C'est un voyage qui t'attend, c'est sûr que c'est lié à l'inconnu, d'accord? Il faut pas avoir peur de l'inconnu. Voilà. C'est le message que j'ai à vous donner. Et en plus, on a quoi? Le prince de l'arc-en-ciel. Compensation et persévérance. Alors déjà, première chose, arc-en-ciel, on le voit ici. Pour moi, c'est un message d'espoir. C'est un message de foi aussi. On peut vous dire qu'il faut que vous ayez la foi. La foi par rapport à ce que vous voulez faire ou par rapport à ce qui va arriver. Voilà. Une confiance intime que les choses sont justes dans l'univers et que voilà vos aspirations elles sont justes aussi, d'accord? Vous n'avez pas d'ailleurs à les justifier. Donc pour moi ici c'est bien question de la foi. On voit aussi la persévérance, c'est-à-dire que voilà. Oui, ça vous demande des efforts, peut-être ce dans quoi vous êtes engagé ou ce dans quoi vous voulez vous engager, des efforts concrets, mais il y a un objectif supérieur derrière. Hein. Et d'ailleurs, je pense que le chemin dans lequel vous voulez vous engager actuellement, là, ou dans le chiffre 7 ici, hein, le conseil, là, c'est on vous conseille de vous engager.
D'accord? Eh bien, sur le chemin dont il s'agit, c'est un chemin qui est en accord avec votre âme, qui est aligné avec votre moi supérieur, en fait, avec votre âme, quoi, avec votre être. Ça fait partie, là, ce que vous traversez, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie de votre chemin de vie et oui, de votre plan d'incarnation, quelque part. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas trop vous en dire. On vous dit d'avoir la foi, mais on ne vous dit pas ici clairement, bah tiens, je ne sais pas moi, c'est tout beau, c'est trop bien, c'est je ne sais quoi. Si on vous dit, voilà, aie la foi, persévère dans ce que tu sais être bon et juste pour toi, dans ce que tu ressens qui t'appelle, hein, il y a un appel, il y a une curiosité aussi qui vous anime, donc suivez ça. Voilà. Alors, on va voir. Le petit complément d'information ici, ça va être la synthèse, un bilan par rapport à tout ça, tout ce qu'on vient de dire. Ah, vous avez l'as de feu. Bon, ben regardez, comment ça vient parler aussi? Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel. Transformez votre vie dès maintenant. Donc là, c'est tous les mots clés, on va dire, qui sont rattachés sur cette carte. Mais c'est, enfin. Vous avez l'opportunité d'être ce génie, de modifier votre vie, de commencer, on est sur l'as de feu, donc de prendre un nouveau départ, de vous créer. Moi, c'est comme ça que je l'entends, c'est que vous pouvez vous créer une nouvelle opportunité, en fait. Il y a un souhait, ici on a l'image du génie, il y a un souhait lié à vos véritables motivations dans la vie. Qui pourrait se réaliser. Hein? L'as, c'est le début, peut-être que ça demande juste un premier pas de votre part. Voyez? Un premier pas. Donc clairement, hein, avec cet as de feu, ça vous dit quand même qu'il y a oui, un nouveau projet, un nouveau départ qui est sur le point de se mettre en place. Vous avez le potentiel pour réussir aussi. Hein, niveau créativité, niveau inventivité, niveau façon de faire aussi, façon de voir, cette carte c'est un très bon présage pour vous dans ce tirage. Ça veut dire que vous avez les ressources tout simplement. Vous avez les ressources pour mettre en place ce que vous désirez. On voit encore le génie, donc peut-être qu'il y a un côté, là je vois avec cette carte, vous savez, lié à la magie, lié à, donc, comme je vous ai dit, à l'ésotérisme, au mysticisme, un petit peu tout ça. C'est l'as de feu, ça représente bien l'énergie, justement. Hein. L'énergie du feu, donc ouais, peut-être que vous vous intéressez de plus en plus à tous ces domaines. Et clairement, c'est en accord avec vous, avec votre plan d'incarnation. Et ben voilà, regardez, vous avez le cosmos, quand même. Cosmos, créativité. D'accord? Là, en fait, ce qui vous motive, c'est comme je vous ai dit, c'est lié, hein, c'est lié à un but, à un plan supérieur, un plan, bon, sans parler de Dieu ou de qui que ce soit, bon, déjà avec votre âme, en fait, plan supérieur avec votre âme, c'est en accord avec vous, il faut que vous suiviez là, les messages que vous recevez, peut-être les messages que vous recevez la nuit, hein, particulièrement la nuit ou dans le sommeil. On voit bien la lune ici qui envoie un message de lumière. Créativité avec l'as de feu. Donc, il y a des choses à mettre en place, des choses à faire, des choses à créer, des choses à apporter dans la matière. Voilà. Bon, c'était un petit message assez intéressant. Donc, on va regarder maintenant la dernière carte ici. Donc, c'est une carte que je vais vous lire. C'est un message vraiment de vos guides, un enseignement, un message et un enseignement spirituel pour les prochaines semaines. D'accord? Donc quelque chose, vous pourrez mettre sur pause pour bien le lire, pour bien en prendre conscience, y revenir peut-être à un autre moment parce que ce message est important. Voilà. Donc enseignement spirituel pour les prochaines semaines. Alors, vous avez la carte 22, Terre-Mère. Ok. Alors, 22. Donc, terre-mer. Je vais essayer de mettre pour que vous puissiez. Voilà, ça devrait être bon. Vous ouvrez votre cœur et vos intentions sont pures. Sachez que vous êtes guidé et nourri par terre-mer elle-même.
Elle vous accompagne avec sa beauté et sa sagesse dans tout ce que vous faites. Ses étoiles scintillantes rappellent votre lumière, ses fleurs votre beauté, ses arbres votre connaissance sacrée et votre équilibre. Cher ami, la nature vous guide dans tous les aspects de votre vie. Si vous avez tiré cette carte, Terre-Mère vous appelle à l'amour. Gardien ou gardienne de la Terre, vous êtes appelé à aider l'humanité à se souvenir de sa connexion divine à la nature. Le temps est venu d'exprimer et de partager encore davantage votre créativité, on retrouve ça encore, et votre sagesse. C'est à travers le partage de votre amour et talent que les autres seront inspirés à approfondir leur voyage en eux-mêmes. La transformation et la purification de la Terre commencent dans chaque être humain. La Terre reflète simplement notre état intérieur. Nous faisons tous partie d'une conscience, nous l'exprimons juste dans des formes diverses. À notre mort, notre corps se dissout dans la terre qui nourrit les arbres et les plantes dans un tissage éternel, sans jamais ajouter ou soustraire dans cette danse de la vie cosmique connectée. Si l'humanité peut se concentrer sur la façon de guérir et nourrir les mondes dans les mondes, la Terre finira par refléter leurs vibrations énergétiques et leurs lumières les plus intenses. Votre tâche, gardien ou gardienne de la Terre, est d'aider les autres à se remémorer leur vrai soi divin et de renouer avec le monde naturel. Faites ce pourquoi vous êtes venu. Éclairez de votre lumière, poursuivez votre chemin avec une vérité et une intégrité constante. Voilà. Bon, ben, ça m'a fait plaisir de vraiment partager et de découvrir ces messages, en fait, pour vous et avec vous. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit retour, un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, ben, voilà, vous pouvez passer par mon site, prendre contact, et puis je vous accueillerai ben, comme là, avec pure bienveillance. Donc, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.